During the Bastille Day parade rehearsal in July in France, our team had the chance to get briefed on the Aster 30 missile and the SAMPT system by some of its operators. The Aster is a vertically launched missile manufactured by EUROSAM, a European consortium consisting of MBDA France, MBDA Italy, and the Thales Group. Aster 30 missiles are currently used by the French Army and Navy, the Italian Army and Navy, and the Royal Navy. Singapore just announced this month they will purchase the system as well. Now let's hear from the man of the French Army Air Defense Squadron 12950, Thurston from Mont-de-Marsan, that we interviewed in July in France. Le système SAMP Mamba est le dernier moyen de défense solaire mis en service dans l'armée française. Solaire moyenne portée qui se constitue d'une conduite de tir et de quatre lanceurs. Donc la conduite de tir se compose d'un module d'engagement, le cerveau du système, un module radar identification qui a une portée de 60 km sur 20 km d'altitude et de son module de génération électrique autonome. Associé à cela, quatre lanceurs missiles, donc de 8 missiles chacun, donc des missiles ayant une portée d'environ 27 nautiques et capable d'intercepter actuellement toutes les menaces de type avion, hélicoptère, drone, mais aussi missiles de croisière et missiles balistiques de terre. Une batterie SAMP Mamba se compose donc de 3 véhicules pour la conduite de tir, 4 lanceurs. Ensuite, associé à cela, vous avez 2 shelter ateliers, un mécanique et un électronique. Vous avez 2 modules de rechargement en missiles. Vous avez 2 shelters rechange pour les pièces électroniques et mécaniques, ainsi que 2 defenders d'accompagnement. Bonjour, Caporal Coulot, opérateur de défense solaire de la base de Mont-de-Marsan. Je vais vous présenter le module de lancement terrestre. Il nécessite l'emploi de 2 opérateurs pour le mettre en œuvre. Nous voyons sur le camion divers équipements de communication avec 2 antennes. Nous avons un groupe électrogène parce qu'il est autonome. Nous avons 8 missiles sur une rampe qui se met en érection lors du tir. Et 4 vérins, 2 de chaque côté, pour le stabiliser. Derrière, nous avons aussi un déflecteur de jet, une plaque de fer qui va absorber les déflagrations du missile pour pas qu'il y ait de trous derrière le camion et pour qu'il ne se déstabilise pas. Voilà. Le gros avantage que représente le système SAMP Mamba, c'est sa capacité à gérer toutes les menaces sur 360 degrés et sur une altitude de 20 km. C'est-à-dire que simultanément, il est capable de traiter 10 cibles qui vont du missile cruise qui vole à très basse altitude à un missile tactique de théâtre qui arriverait à des altitudes proches de 12 à 15 km d'altitude. Donc c'est sa grande capacité, c'est qu'il est capable de gérer toutes ces menaces simultanément sur 360 degrés.